Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. Nous sommes sur PC, hein, je le rappelle à chaque fois maintenant. Nous avons pu participer donc dans le live, enfin plus faire dans le live, quelques petites améliorations si je puis dire, avec un Kaioken et un Kaioken Kamehameha qui sont arrivés donc en éveil et donc aussi en attaque spéciale. Je ne les ai pas encore testés ni l'une ni l'autre. Si, le Kaioken, je l'ai testé quand même, parce que j'étais surpris de la description du truc. Donc maintenant, je vais faire donc tous les farms qu'on trouve ici dans ces quêtes directement dans tout ce qui est les lives, hein, simplement. Il me reste donc ici une quête à faire, plus quelques-unes ici, vous voyez. Hein. Par conséquent, on va les faire, hein, tout simplement. On va commencer par l'armée de Freezer, bah tous les sbires de Freezer, pour espérer obtenir donc le combo spécial Commando Ginyu's qui n'est pas du tout intéressant, ou la pose de combat B, ce qui n'est pas non plus intéressant. Par contre, il a la tenue ninja de Capsule Corp, qui est normalement, qui n'a aucun rapport avec le reste de la mission, c'est triste. Bref, on y va, on verra bien si on va tomber sur tout ça, et on va pouvoir tester au passage nos différentes... nos différentes techniques. On va prendre des Namek, c'est-à-dire qu'on va prendre donc un petit Slug. Et avec, on va prendre un démon Piccolo complètement défoncé. Et on verra bien ce que ça va donner. Alors. Pfouah ! Bah, tous les sbires de Freezer. D'accord ! Ah, viens ! Blablabla. Mais viens là, je te dis. Hop ! Boum! Blah! Raté! Boum! Et blanc! La 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 la! Viens par là! Boum! Et de 1. Hop! Navé! Ha! Raté! Ah mais non, il était à moi. Navel ! Boum, boum, boum ! Alors, où sont tes autres copains ? Ah ! Raté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Kaioken, faut l'utiliser... Hop. Hop. Je vais aller le voir. Hop, on va s'occuper de ça. Ça c'est fait. Parce que maintenant j'ai assez de... Ah, c'est de qui pour ça? Et on va pouvoir enfin utiliser notre Kaioken Kamehameha. D'accord, c'est simplement un Kamehameha qui est plus court à charger, mais qui prend en fait la full charge de ki. Pourquoi pas? Sinon on a toujours des attaques classiques à côté. Il nous reste plein d'ennemis à battre. Du coup je me permets de faire un big raté. Boum. Voilà. Où sont tes copains? Ah bah en voilà 3. Ils sont tous aussi moches les uns que les autres en fait. Hop. C'est moi ça? D'accord, oui c'est moi. Boum. Et boum. Et boum. Ah merde, crédit. À moi. Bla bla. Blam. T'es pas mort? Oh. Vexation. J'ai retrouvé ma jeunesse. Slug, non. Bon, lui, je l'ai eu. Manray. Shenray. Non, c'est pas le même manga. C'est pas bon. Ah bah. Ah bah, ah bah c'était nul. Vas-y, on en finit, s'il te plaît, merci. Hop. Vu qu'ils se défendent. Bon. Il va être temps d'aller voir un de nos copains. Une fois qu'ils auront pop, hein. Je parle de Zarya et... Zarya. Oh, ça va plus. Et je me trompe dans plein de trucs en ce moment, chers amis. Je suis désolé.
Doria et Zarbon. Excusez-moi. Hop. Voilà, normalement c'est là qu'ils vont pop. Ah non. J'ai essayé de m'approcher sans utiliser mon endurance, c'était compliqué. Ok, c'est par où? C'est par là. Bon, bah, par contre, là, l'endurance, je vais devoir l'utiliser. Hop. Alors. Crac! Épilepsie! Oh non! Oh non! Dommage. Bon, je vais vous montrer le Kaioken. Ah! Bah non. Hop. Ok, et vous voyez que mon endurance baisse au fur et à mesure. Hop là, bouffe-toi le Kaioken Kamehameha pendant le Kaioken. Boum! Fini, Doria. Le problème, c'est qu'il faut que je désactive. Parce que si je désactive pas, chers amis, en fait, je perds mon endurance complètement. Et en fait, je deviens complètement complètement faible. Hop! Ah, mince. Ah, j'ai pas ce qu'il faut! Ah! Big Bang Kamehameha! Dommage, j'ai touché les mauvais. Ah, c'est bon, j'ai eu les deux. Ah. Et donc, l'objectif, c'est par où? C'est bien celui-là, oui, c'est bien ce qui me semblait. Hop, on y va. On va bien voir. Qui avons-nous à combattre? Je pencherai pour Freezer lui-même, peut-être. Ah, bah non, oui, je suis stupide. Oui, bien sûr, Ginyu, on va jamais se battre contre lui en vrai, hein. Non, c'est moi l'être le plus rapide de l'univers. Désolé. La 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 la. Da 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 da. Parle-moi. Dommage. Big Bang Kameha, mais ça marche pas. Kameha, mais ça marche pas. Je m'en doutais. Boum. Voilà, c'est fini. Je lui ai défoncé l'estomac. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Hop. Oh. Je suis vexé. Ah. Ça, je comprends pas comment on est censé les placer, les techniques ultimes, parce que là... Hop. Dommage. Ah, ça passe jamais. Marcus, tu devrais le savoir. Boum. Mais il est tout seul en fait, pauvre petit père. Big Bang Kamehameha! Ah, faudrait que j'arrive à le faire au sol en fait, ça serait beaucoup mieux. Attendez, je vois s'il prend la pose, la vraie pose du Big Bang Kamehameha. Du Kaioken Kamehameha, pardon. Ah merde, je suis trop loin. Ah. Hop, c'est bon. Merde. Ah, il la prend. Pour moi, c'est valide. Ah, mais merde! Boum! Ah, bah non! T'es en plein dedans! Dommage, je voulais le finir avec une vague explosive, ça aurait été. J'ai rien dit, hein! Tiens, bouffe! Et voilà, fini! Fin ultime! Voilà! Donc, j'ai une technique minimum. J'ai au moins un équipement.
Et j'ai que le rang S, c'est dommage. T'es une ninja, j'ai que les gants, le truc qu'on voit pas. Et j'ai les deux attaques spéciales, génial. Je pense. Je pense génial. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai raison de penser génial? Je ne pense pas. C'est dommage. Hop. Je vais boire un coup, chers amis, je suis désolé. J'ai atrocement soif. Il n'y avait pas une mission. Une quête à terminer, le combat acharné. Le policier du temps qui vient de terminer la quête combat acharné, le commando Ginyu. C'est bientôt le policier du temps qui vient de terminer la quête combat acharné, le commando Ginyu, non? Non? Ah non, c'est pas moi, bon bah... J'aurais cru. Le... Bah non, elle y est pas. Elle y est pas. Bon, bah on va en refaire encore une, hein, puis... De toute façon, j'imagine que ça va être après. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire! Nah. Je me regarde au passage aussi. Parce que j'ai un peu honte de mon visage. Non, je rigole. Enfin oui, des fois j'ai un peu honte de mon visage parce que je sais que je fais des têtes complètement hallucinantes. Mais ce n'est pas grave, je m'en fous. Je suis bien avec mon corps. Ouais. Bref. Bonjour. Bah tous les ennemis, Rikum et Razor Gun. Ah, ça peut être rigolo. Flash mystique, oui, si tu le dis. Tenue de combat Vegeta. Oh, il me la faut. Perruque de... Non. Non, je ne veux pas porter la perruque de Son Goku. Je ne veux pas scalper Son Goku. C'est faux. Il est très très bien avec ses cheveux. Il est moins bien sans. Admettons-le, le seul chauve qu'il y a dans la... Est-ce qu'on peut considérer un Namek comme un chauve? Je sais pas. Je sais pas. C'est une vraie question, chers amis. Hop, on va prendre un Vegeta en armure de combat parce qu'il est trop stylé. Et on va prendre un Gohan en armure de combat parce qu'il n'est pas stylé. Voilà. Faut l'admettre aussi, ça. Hein. Mais bon, on va bien voir. On peut y arriver, après tout. Ginyu est le fruit. Ah! Ah! Oh, il est... Il est lui-même. Ah bah bon bah il est pas intéressé surtout. Moi je prends le plat de résistance hein les filles. Hop. Et boum. Ah quel dommage. Thalès. Non salaud. Kamehameha, une main! Eh, ça suffit pas! Et là, ça suffit? Voilà, technique, merci. Gohan, ça va? Tu t'en sors? Ah, il est passé... d'accord, il est passé au mode fruit. Pourquoi pas? Genius! Ah bah merde, je me suis... Mais merde, tu vas... D'accord. Et il voit la vie en rouge, lui, hein. Hop! Je crois qu'il se mettait à pleuvoir chez moi, je suis désolé. Pas encore! Ah! Monsieur Bleu. Blue Man. Ah, mais ah, mais ah! Je touche! Génial! Hop! Hop! Ah là 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 là! Et on va recharger un petit coup parce que là. On attend le Big Bang, Kamehameha. Ah merde, merde. Big Bang. C'est pas le bon. Big Bang. Raté. Ah, Porter, il est passé en violet, mais on savait pas. Oh non. Guldo. Ah, bla. Mais je suis en pleine animation. Boum. Reviens me voir plus tard. Oh, quel dommage. Tiens, tu sais quoi? J'ai encore un truc pour toi. Boum. Voilà. Non, c'est lui qui m'intéresse. Hop. Je suis les finishers, moi. Boum. C'est fini. Oh, le canon garé qui passe. Ah, non. Il a dû arrêter le temps pour que je sois trop loin. Hop, ça y est, je touche. Hop. Ah, mais... Ah, si.
J'ai accès à ce magnifique Kaioken Kamehameha. Hop les. Ben voilà. On est trop balèze. On recharge. Parce que c'est pas fini. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? Ton visage a quelque chose de disgracieux. Ton visage a quelque chose de disgracieux. J'en ai la nausée. Salut les filles. Attendez, j'arrive pas à vous. Voilà. Oui, donne-moi ton kiki. Merci. Kiki, kiki, kiki. Hop, on y va. Moi, je me suis toujours demandé si Krillin il rase le haut, est-ce qu'il rase le bas aussi? Parce que c'est ça démange après pour les combats. Ah. Oh non, on va voir Thalès en gros singe. Non. Non. Ah non, il y a un Vegeta. Mais vous allez arrêter de vous battre entre vous. Mais putain. Oh, tu me saoules. Boum, ça y est. Non, toujours pas. Ah, bon, bah l'autre a de l'intérêt pour moi, donc. Vegeta. Boum. Ah, ça passe pas, hein. Je peux pas le parer celui-là. Je peux pas le suivre. Big Bang Kamehameha. Et le sac qui apparaît. Dégage et retourne manger le sable. Hop les, non, tu dégages. Vegeta, ce Vegeta est à moi. Ah, bien joué. Non. Ah merde. Non, merde. Je me téléporte pour rien, Marcus, fais pas le con. Boum. Oui, il est bon. Hop les... Bah, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Ah, il a de l'intérêt pour moi, j'arrive pas à le toucher, mais apparemment, il m'aime pas. C'est parce que je peux pas me défendre, sans doute. Pensez-vous que mes copains allaient bien m'aider? Non, bah non. Boum! Voilà! Un très très beau finish au sol, avec un Kaioken Kamehameha. Vainqueur, tout ça, RONZ! Parce que voilà, on est trop bon. Riku Mirazagon, Coupier Sonic, et je n'ai rien d'autre. Bon. On va pas s'en plaindre. C'était ce qu'on voulait. Faudra vraiment que j'enlève cette annonce sur PD, parce que les PD, il y en a que ça. Y a que des annonces tout le temps, tous les jours. Bon, c'est pas grave. Ma coupe faisait très très gars d'école. Ça va pas. De toute façon, mais j'ai la mèche qui est trop longue. Je vais la mettre sur le côté, en plus elle est de moins en moins rouge, c'est nul. Ok, on a fait quelques quêtes secondaires. Quelle heure il est? Ça fait combien de temps que l'épisode a commencé? Ça fait une vingtaine de minutes. Bon, on va faire un épisode de mission secondaire. Hop. Et puis ensuite on verra pour le reste. Épreuve du commando. Épreuve d'entrée au commando, oui, bien sûr. Moi je préférais faire celle-là, mais elles sont pas drôles. Récupérer les Dragon Ball, c'est pas drôle. Allons-y. Non, d'abord j'aimerais aller voir les différentes. Tant pis. On va essayer de faire ça. Moi j'aimerais bien avoir l'armure de Vegeta, c'est vraiment cool comme armure. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on reste avec notre personnage ou est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre? Hop. On va bien voir, avec trois Freezer. Vu ce qu'ils nous ont mis avec Freezer et Cooler, normalement on devrait pouvoir y arriver très très facilement. Tellement de muscles. Ah. Comment on faisait? Ah oui, voilà, c'est ça. Mais bien sûr, le mec... Hop.
Ah, j'ai pas réussi à... J'avais pas assez de ki. Hop. Ah. Salaud. Aïe, aïe. Aïe. Bon, par contre, là, vous me faites chier. What? Tiens, meurs. Ah. J'ai détruit des planètes, alors des sbires, tu m'étonnes. Merde. C'est une insulte. Aïe, raté, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. J'ai pas le... Ah, je l'ai chargé, mais j'ai... Mais merde, ils me font chier à m'attaquer tout le temps. Super vague déferlante. Oui, Dieu, pourquoi pas. Oh, je voulais le violenter. Piouf. Piouf. Attaque psychique. Oui, d'accord. Oui, je sais ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est. Pourquoi il y en a deux à nouveau? Dommage. Le manque d'intérêt, c'était vraiment dommage. Hop, ça c'est fait. Il y en a encore deux. Est-ce qu'il revoit à chaque fois que j'en tue un ou... Parce que j'en ai clairement l'impression. Hein. Hop. Bon bah là il est mort hein, à mon avis. Pauvre homme. Ok. On va essayer de choper tout ça. Ah putain, il y en a encore dans les maisons, mais elles sont incassables, c'est ça? Non, ça va, elles sont cassables. Ah bah non, j'étais pas dedans. Oups. Crac. J'ai cru la voir, voilà. J'ai mes testiboules. Hop. Je sais pas si je vais véritablement le vite. Hein. Je pense pas. Je pense pas. En tout cas, le fait qu'il y ait autant de formes sans pour autant avoir la possibilité de se transformer, c'est un peu bête, je trouve. Même pour Zarbon, hein, Zarbon n'a même plus sa transformation, j'ai l'impression. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oula. C'est là qu'on se rend compte. Effet 2D. Hop. C'est vraiment fini ou il y a une suite? Ah, il y a une suite! Hop, bah là j'ai plus de raison de les péter aussi, hein, les mecs. Hein. Oui, non, 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 il y a un nouvel ennemi, certes. Ah! Ah, je comprends mieux comment je suis censé l'avoir, l'armure. Hop, je récupère les deux, puis après je vais les remettre. Après je tue les mecs. C'est par où? C'est par là. Hop. Ah merde. Thales! Boule de la mort! Thales! Oh! Ah si, c'est bon, il l'a eu. Je l'ai eu. Il s'est fait eu. Ah, j'espère que c'est pas cette armure là. J'espère que c'est pas de cette armure là qu'on parle parce que sinon ça me ferait mal. Ah, moi c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est celle sans les épaulettes. Le prince des singes. Mais laisse-le moi. Mais laissez-le moi. Mais pourquoi moi il me part?
Et merde. Ça continue, je vais pas. Et en plus, il me guac. Mais merde. Tu me saoules, Vegeta. Mais merde. Qu'est-ce qui me sort? Non mais tu vas te calmer, Vegeta. Ça va pas le faire sinon. Voilà. Ah. Alors. Respecte ma putain d'autorité. Hop. Alors où es-tu? Tu es ici. J'ai toujours pensé que en fait Freezer quand il était dans l'eau il faisait tournoyer sa queue comme une hélice pour aller plus... Non je rigole. Genre de conneries qu'on peut raconter. Alors voyez, ça c'est ce qu'on appelle des marches faites en sable, c'est-à-dire des choses qui n'existent que dans un jeu vidéo. Hop. Voilà. On y est presque. J'ai cassé un arbre, je vais en casser un deuxième parce que voilà, pour la forme. Je les casse bien, je montre que je les casse bien. Hop, voilà. Tu as trouvé une Dragon Ball. Oh, seulement un rang S. Niveau supérieur. Ah, j'ai des points. Tenue du combat. Bah, c'est tombé bien, c'est la partie que je voulais voir pour voir si c'est vraiment la bonne que je dois fermer ou pas. Tir d'énergie, pourquoi pas. On verra bien. Hein. Mais le tout, c'est de savoir si c'est vraiment la bonne armure. Parce que si c'est l'armure avec les épaulettes, c'est pas la peine. Si c'est la vieille armure avec les épaulettes, c'est pas... Non. Il y a un événement chez Capsule Corp. Ah bon? Modifier l'équipement. Ah bah c'est la bonne donc je peux la farmer. Je peux la farmer. Oh je suis beau comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me trouve magnifique. Donc on pourra farmer ça déjà. Ça c'est bon. Hop. Alors, un événement chez Capsule Corp. J'imagine que ça veut dire que c'est par là. Ça, ça doit être les items. Ça, c'est les techniques. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles techniques? Je sais pas. Attaque Kaioken. C'est ce que je pense. C'est très, très cool. Kaioken Kamehameha x4. Ça, c'est une attaque ultime, si je me trompe pas. D'accord. Ça me tente, hein. ça me tente. Attaque ultime, Kamehameha... Kaioken Kamehameha x4, donc ça coûte cher. Hein. Ça coûte assez cher, malgré tout. Et puis je suis pas intéressé pour le moment. Par contre, j'ai bien envie d'aller voir, je suis pas allé voir ce week-end la boutique pétée. J'espère qu'elle va pas être fermée. Et merde. Boutique de vêtements, est-ce que t'as quelque chose à me proposer? C'était Y. T'as pas l'armure complète par hasard? Non, bah non, forcément. La dernière mode. Non, c'est pas la peine. Merci de t'en proposer, mais c'est pas la peine. Ok, bon, bah il y a un événement chez Capsule Corp. Mais Capsule Corp, c'est où? Ah oui, Capsule Corp, je suis con. Ça va être ici. Hop. On va bien voir, hein. Salut! Vegeta? Bonjour! Tu vas bien? Ils peuvent venir voir les inventions de Bulma! Mais ils sont obligés de faire autant de bruit! J'arrive pas à faire le principe dans les aigus. Certains savent utiliser le ki. Mais aucun d'entre eux ne mérite un combat! Heureusement que tu améliores un peu la moyenne! Ton niveau de puissance est assez impressionnant, Saiyan! Viens donc t'entraîner avec moi si tu as un moment. Aucun vrai guerrier ne refuserait mon offre. Pourquoi pas? Entraîne-moi avec... Ne t'inquiète pas, je vais t'épargner cette fois. Tu n'as pas encore de taille à m'affronter. Considère ça comme un petit échauffement. Mais qui ne t'empêche pas de tout donner. Ta détermination est pure. Mais qu'en est-il de tes compétences? J'arrive plus à... Je le perds au fur et à mesure. Voyons un peu ça. D'accord, c'est tout ce que... On va rien gagner, quoi. On va strictement rien gagner, à part peut-être un truc qui va apparaître au niveau de l'event de la zone de la faille. Simplement. Oh, je suis tellement beau comme ça.
Vegeta, je vais te foutre une branlée, Vegeta. Hop là, Vegeta, mange le sol, Vegeta. Ça serait bien que tu me mettes des coups. Boum, Vegeta. Ah, il m'a mis des coups, quel dommage. Non mais oh, t'as cru que j'allais me laisser avoir deux fois de suite? Oh, t'as du bol, Vegeta. Hop là, lâche hop. Ah, hé, Vegeta, tu connais ça? Ah, quel dommage, j'ai raté. J'aime bien quand tu fais ça. Attaque! Dommage. Oh, joli. Et voilà, il a reconnu son Big Bang à mon avis. Fin. Faut dire j'en ai tellement chié. Victoire. Non, c'est vrai. Je pensais que je devais me retenir, mais j'ai oublié de me retenir. Ok. Oh. 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 Tenue d'entraînement, c'était pas prévu ça. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Si c'est ce que je pense. Si c'est la tenue qu'il porte actuellement. Ah. Je ne pensais pas devoir aller aussi loin, peut-être as-tu du potentiel. Quelle surprise. Je t'aime bien. Reviens si tu veux t'entraîner. Avec si peu de puissance, tu m'es inutile. Reviens quand tu auras le niveau. La 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 la. Il y a vraiment quelqu'un qui le fait, hein. C'est pas moi dans ma tête. Oh non. Oh la déception. C'est juste un pauvre sweatshirt. Oh merde. Oh la grosse déception. Oh, je vous raconte pas. Oh, je suis tellement déçu. Ah. Ah, cette déception. Oh là, je vais pas vous mentir, je suis incroyablement déçu. J'ai pas gagné les gants de ninja, là. Oh, la déception. Oh, la déception. Je mets tout ce qu'il fait en combat au corps à corps, qui fait des trucs au combat au corps à corps. Ah, mais c'est vrai, c'est inopérant parce que j'ai ça. Je sais pas à quoi ça correspond, si c'est mieux ou pas. Vous voyez, c'est à peine mieux, hein. Dommage que j'ai rien pour augmenter les dégâts au corps à corps ici. Alors, ça, j'imagine que ça va pas être rigolo. Non, non, non. Oui, pourquoi pas celui-là. Peut-être rester avec le bleu plutôt. D'accord, ok. Alors ça, j'arriverai jamais à en faire une de toute façon. Aucun effet. Voilà, merci. Oh, pardon. Petit coup impuissant. Regardez ça. Ok. Bon. Et ben voilà, je vais passer là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. C'est pas par là qu'on sort. Rejoindre le groupe Steam. Cliquez simplement dans la bannière aussi, donc pour le groupe Steam, mais aussi pour mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pardon. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop. Je peux pas faire. Bon, tant pis. J'aurais dû le faire sauter tout simplement. On va le refaire. On refait l'outro. Hop. Et yop. Voilà. Salut. J'ai un bug.